Mon billet, l'affaire ISCA, Fédération Ivoirienne de Football, et l'Africa Sport, un test pour la gestion des différends et la justice sportive en Côte d'Ivoire. Cette affaire portée donc devant le tribunal arbitral du sport, TAS, met en lumière plusieurs aspects cruciaux relatifs à la gestion des conflits dans le sport ivoirien et au rôle de la justice sportive dans la régulation des compétitions. D'abord, en ma qualité de président, je ne peux porter aucun jugement de valeur ni commentaire sur les décisions prises par les directeurs de jeu, que sont les arbitres. La Fédération Ivoirienne de Football s'est dotée de statuts. Et dans ces statuts, vous avez dû voir qu'il y a désormais deux commissions indépendantes qui tranchent de tous les litiges et de tous les problèmes. Il y a la commission d'éthique et de discipline qui traite les dossiers en premier ressort, puis il y a la commission de recours. Donc, je pense que la Ligue professionnelle ainsi que la Ligue de football amateur feront le bilan de leur saison et pourront dire ce qui s'est passé bien ou mal passé au cours de la saison. Ensuite, les différentes commissions feront leur bilan. En l'occurrence, la commission centrale d'arbitrage, qui est une commission effectivement qui, elle, à la différence des deux commissions indépendantes, j'insiste là-dessus, des deux commissions indépendantes que sont la commission d'éthique et de discipline et la commission de recours, la commission centrale des arbitres est présidée par un membre du comité exécutif conformément à nos statuts. Eux aussi feront leur bilan et puis nous dirons ce qui a fonctionné, ce qui a moins bien fonctionné. Donc, permettez que je ne porte pas de jugement de valeur sur ce qui s'est passé au cours de la saison. Notre pays, il y a quelques temps, est sorti d'une crise avec le comité de normalisation. Nous avons eu des élections qui nous ont amenés à la tête de la fédération. Et l'un des points les plus importants de notre projet, c'est la gouvernance. Et dans la gouvernance, il y a l'éthique. Et nous ne pouvons jamais, nous ne pouvons en aucun cas encourager, accepter ou fermer les yeux sur des agissements qui sont de nature à jeter l'opprobre sur le football ivoirien. Et puis laissons aussi prospérer la démarche que M. Rassoul dit avoir faite. La première démarche a été déboutée par le TAS. On verra ce que donne la deuxième démarche. Mais à la fédération, on n'a absolument rien à se reprocher. Et si le TAS nous ramène des conclusions qui nous imposent de suivre certaines décisions, mais elles seront suivies. Donc là-dessus, je pense qu'il faut que vous soyez rassurés. Nous n'accepterons jamais que le football ivoirien soit sali, traîné dans la boue, de façon aussi légère en une année où nous gagnons la CAN. C'est totalement irresponsable si nous ne réagissons pas, conformément à nos textes. Le résultat initial du match. Le TAS a annulé la décision de rejouer le match entre Yamoussoukro FC et ISCA et a confirmé donc le résultat initial du 14 juin 2024. En choisissant de valider ce résultat, le TAS a implicitement souligné un manque de rigueur dans la décision de la commission éthique et de discipline de la FIF qui avait ordonné la reprogrammation donc du match. Cette décision met en lumière des failles dans les systèmes internes de la fédération. 2. Intégration de l'ISCA en ligne en première ligue. En ordonnant l'intégration de l'ISCA en ligne 1 pour la saison 2024-2025, le TAS a pris une décision lourde de conséquences. Celle-ci force la FIF à reconsidérer la composition des équipes pour cette saison. Cela montre que la justice sportive a la capacité de corriger des erreurs perçues et de garantir que la compétition soit juste et transparente. 3. La condamnation donc de la FIF. La condamnation de la FIF a payé
les frais d'arbitrage et une indemnisation à Isca souligne la responsabilité de la fédération dans la mauvaise gestion de ce conflit. Cette décision porte un coup à la crédibilité de la FIF qui se voit critiquée pour son incapacité à gérer efficacement les litiges internes, d'autant plus que le TAX est une instance internationale dont la décision s'impose à toutes les fédérations sportives. Interprétation du communiqué de la FIF. Reconnaissance de la décision du TAS. La FIF, par l'intermédiaire de son comité d'urgence, a pris acte de la décision du TAS et a manifesté sa volonté de l'appliquer. Cela témoigne d'un respect pour les mécanismes de règlement de litige, mais aussi d'une certaine mise en cause de ses propres commissions juridictionnelles qualifiées d'indépendantes du comité exécutif. Cette affirmation semble destinée à limiter l'impact de cette décision sur le marge de la direction de la fédération. En deuxième point, l'absence de l'Africa Sport. La demande de l'ISCA de modifier le classement de la saison 2023-2024 a été rejetée en raison de l'absence de l'Africa Sport à la procédure. Cela montre que les décisions sportives peuvent affecter donc des clubs qui ne sont pas directement impliqués dans le conflit et que la FIF devrait donc résoudre éventuellement de nouveaux différends concernant. La position donc de la FIF sur le classement final. En appliquant la décision donc du TAS au classement final, la FIF a entériné la montée de l'ISCA en première ligue et la relégation de l'Africa en deuxième ligue. Ce réajustement pourrait être vu comme un compromis visant à maintenir un équilibre compétitif, mais il a aussi, pour ne pas dire qu'il a aussi déclenché l'indignation de l'Africa Sport, qui s'est senti lésé par cette décision. Ajout donc du comité donc de l'Africa Sport et analyse donc de la décision du tribunal arbitral du sport, TAS. Le communiqué de l'Africa Sport publié donc le 14 septembre 2024 ouvre un nouveau chapitre dans cette affaire. Le club s'oppose catégoriquement à la décision de la FIF de le maintenir en ligne 2 pour la saison 2024-2025, soulignant que cela est en contradiction avec les faits et les déclarations de la fédération. L'Africa Sport accuse la FIF d'utiliser la décision du TAS comme prétexte pour légitimer une décision qu'elle juge injuste. Analysons donc le communiqué donc de l'Africa Sport. 1. Contradiction perçue par la décision antérieure. L'Africa Sport conteste le fait que la décision donc de la Fédération ivoirienne de football est en désaccord avec les déclarations précédentes. Cette incohérence perçue ajoute donc un élément de confusion dans la gestion du litige. Et le club estime que la Fédération n'a pas respecté les normes d'équité dans ce dossier. Deuxième point. Le refus donc d'assumer donc le rôle de victime expiatoire. Le club ne souhaite pas être perçu comme un simple dommage collatéral dans ce litige, dénonçant une décision qui pourrait le pénaliser injustement. Ce refus donc d'accepter donc la situation met en lumière la tension persistante entre la fédération et le club sur la question de l'équité dans le football ivoirien. 3. Recours légal imminent. L'Africa Sport a l'intention donc de contester cette décision par la voie légale. Cela pourrait retarder donc davantage le déroulement de la saison 2024-2025 et ouvrir la porte à de nouveaux conflits judiciaires. Ce développement illustre la complexité des litiges sportifs et la difficulté dans les instances dirigeantes de maintenir la cohésion entre les différents acteurs. 4. Appel à la vigilance des supporters.
Le club appelle ses supporters à rester mobilisés et attentifs à l'évolution de cette affaire. Cela montre l'importance du soutien donc des fans dans l'aide stratégie donc des clubs pour faire pression sur la fédération. Alors, conséquence de l'implication, j'allais dire supplémentaire. L'ajout donc du communauté de l'Africa Sport montre que cette affaire est loin d'être résolue. La tension entre la Fédération ivoirienne de football et certains clubs comme l'Africa Sport pourrait encore s'aggraver, surtout si des procédures légales sont enclenchées. La gestion donc de cette crise sera donc cruciale pour la crédibilité donc de la FIFA dans les mois à venir. En somme, cette affaire met en lumière donc les lacunes de la gestion donc des litiges par la FIFA et la nécessité pour la fédération de renforcer ses mécanismes internes de résolution des conflits. La capacité de la justice sportive par le biais du TAS à intervenir efficacement montre que des réformes sont nécessaires au sein donc de la Fédération ivoirienne de football pour éviter que de tels litiges ne se reproduisent. Il est impératif que les décisions futures soient transparentes, cohérentes et équitables pour maintenir la confiance des clubs, des joueurs et des sporteurs dans le football ivoirien. C'était donc mon billet, Jacques Roger.